cette année, choisis la bonne part. Amen. D'abord, reste au pied de Jésus. Amen. Cette année, reste au pied du Seigneur. Et ensuite, reste au pied de ton maître. Si Dieu t'a amené dans cette église, je ne m'érige pas en tant que ton pasteur. Ce n'est pas possible. Amen. Je ne m'érige pas en tant que berger sur toi. Parce qu'un berger ne devient pas berger des troupeaux par obligation. Amen. Un pasteur ne devient pas ton pasteur par obligation. Un pasteur devient ton pasteur par décision. C'est toi qui prends la décision à un moment donné en voyant l'homme. Que celui-là, la voix de Dieu est dans sa bouche. La vie de Dieu est en lui. La vérité de Dieu que je cherche est auprès de lui. Alors je me soumets à lui comme son enfant. Alléluia. Pour que quoi? Pour qu'il m'aide à marcher dans la voie du Seigneur. Pour qu'il m'aide à grandir dans la foi. Pour qu'il m'aide et m'enseigne la vérité. Pour qu'il m'aide à faire le chemin que le Seigneur m'a appelé à parcourir. Quelqu'un dit amen. C'est comme ça que Dieu a institué les choses. Je me suis rendu compte, en observant la vie de plusieurs personnes qui ont un problème avec l'autorité, qu'ils étaient instables, alléluia, qui n'avaient aucune direction dans la vie et qui ne finissaient jamais ce qu'ils commençaient. Il y en a qui sont réfractaires à l'autorité inconsciemment et il y en a qui le sont consciemment. Vous repoussez, vous rejetez tout ce qui est autorité. Vous n'aimez pas vous soumettre. Vous n'aimez pas qu'on vous conseille. Vous n'aimez pas qu'on vous donne des ordres. Vous n'aimez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire. Vous vous suffisez. Vous êtes trop intelligent. Vous êtes assez sage. Vous savez tout. Il y a des gens comme ça. Ils savent tout. On n'a rien à leur apprendre. À l'occasion, il te dit, tu n'as rien à m'apprendre. Tu es trop petit. Amen. Cette année, soumets-toi. Amen.